Bonjour mes petites filles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui j'ai reçu la box du petit colis. Je la trouve très belle cette petite box comme d'habitude. Elle est encore plus belle que d'habitude. C'est joli, les livres, les lunettes. En plus je porte des lunettes, ça tombe bien. Elle est comme ceci avec toutes des bandeaux sur le côté. Du coup, c'est la box de mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Et on va s'ouvrir ça ensemble, comme d'habitude. Voilà. Bon, désolé si je bug un petit peu, mais j'ai un peu mal la gorge. Du coup, on a toujours le petit mot de bonjour Jennifer. Voici le petit colis, on la présente entre vos mains. Nous vous présentons de petites lectures. Vous allez découvrir deux petits livres en format poche que nous avons sélectionnés spécialement pour vous, ainsi que quelques petites surprises qui vous feront plaisir. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir choisi le petit colis. Toute l'équipe souhaitons très bonne lecture. L'équipe du petit colis. Voilà. C'est ce que je voulais tousser en fait. Du coup, elle se présente toujours comme ça, avec un petit. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, ça, on va pas le regarder. Je ne le regarde pas. C'est un détail. Enfin, c'est le détail des petits goodies qu'on a. Je le mets à côté pour avoir plus facile. Du coup, je vois ceci. Je vous montre un peu comme ceci. Voilà. C'est un crayon box de livres sur mesure. C'est un crayon. Je vous montre voilà, le derrière. Si on a envie de plus, en fait, croyez le crayon est devenu trop petit. Ouais, quand il est pour écrire, c'est le planter dans la terre et compte vie démarre en fait il peut repousser si je comprends. Très beau petit crayon tout simple mais efficace en bois avec marqué, je sais pas si vous allez voir, petit colis. Je vais essayer de le faire. Petit colis, le bout en vert, je suppose c'est ça la graine. Voilà, je vais le laisser dedans pour l'instant. Oh, j'ai le petit truc ici, mais c'est pas grave. Du coup, on a comme d'habitude la lecture des petites marque-pages comme ceci. Voilà, avec ce qu'on peut écrire derrière. Voilà. Alors, on a un dernier petit goodies. Non, ça n'a pas bougé. Une petite sucette en chocolat artisanal. Cacao bio, c'est une tête de. Je pensais qu'ils allaient faire une blague comme c'était le premier, il y avait le 1er avril, mais non, très belle. Je sais pas si vous voyez bien la petite tête. Ça, elle va être mangée, ça c'est sûr. Et le plus important se trouve dedans, dans ce petit truc. Du coup, on va prendre un à la fois. Je sens. Il y en a un gros et un tout petit. On commence par tout petit. Je ne vois pas. Je vous montre. Je ne sais pas dire non. Dire je t'aime. Ouais, pas mal. Un tout petit livre. Ouais. De 7,50. Le prix, je vous montre. 7,50. Pas l'air mal. Paris, tu. Paris. Tu l'aimes ou tu la quittes. C'est une injonction de qualité pour qui vous retrouvez là, jouer l'écrasé contre la vitrine d'un métro bondé ou se fait bousculer sur le trottoir par un type mal dégrossi. Dans ce trocu boudou de Paris. C'est un nom de ville, je suppose. Je ne connais pas. Francine
terme de passer une longue encervilée devant le guide d'état civil. Juliette rêve d'avoir la beauté suffligante d'un artiste qui éclate de rire sur un tapis rouge. Joachim devient célèbre malgré lui en se faisant longueur et en direct de la télé, donc essaye de ne pas finir comme eux qui piqueront leur petit pois le nez dans l'assiette sans adresse un mot à l'autre. Voilà, faire pas mal. C'est le livre de poche. Ça a l'air vraiment pas mal. Et il y a 300 pages. Ça va être vite lu celui-là. Du petit livre. Voilà. Écrit toute finesse. On verra ça. J'ai pas encore lu. Je sais que certains attendent les mois où je finis. J'ai pas encore lu aucun livre du mois mars et avril. J'ai pas lu. Ici, j'ai un gros bouquin. Wow, il a l'air vraiment pas mal aussi, celui-là. Je parie encore que c'est une suite. Ah, ça n'a pas l'air. Nouveau roman. Non, ça n'a pas l'air. Mais il est vraiment beau. J'adore la pochette. Ce serait été moi, je l'aurais pris. Si j'aurais été au magasin, la pochette m'aurait plu. Maintenant, est-ce que je l'aurais lu? Ça, c'est autre chose. Love Grenst. C'est très beau, je vois. Alors, je vous lis un petit peu le détail. J'ai une petite mouchette qui est embêtée. Nouveau roman, franche tente. Alors, tatouée, écrasée, n'oublie son lourd passé. Ce week-end, lorsqu'il gamme ses limites avec son frère et sa sœur, la Bascal. Je ne vais pas vous dire si vous voulez voir correctement le mot. Bien sûr, il ne veut pas zoomer. J'ai dit zoom. Zoom, là. C'est compliqué les mots. Le bonheur utilisé, la peine, Milly, n'oublie jamais cette véritable expression. Alors qu'autant éviter complique. Enfin, soit, je vais pas bien, j'ai mal à la gorge. Le chemin se divise. De ces deux artistes finissent en parlant. Entre l'ombre et la lumière, secret d'ombre. Par contre, c'est un drame psychologique. Pas l'air pas mal non plus. Les pages sont assez bien écrites. Ouais, il me tente bien. Je pense que ça va être un des prochains aussi. Prochain. Il est à 7,60 €. Voilà. Il a l'air pas mal. Dites-moi en commentaire lequel que vous voulez que j'aille lire en premier. Enfin, je suis occupée à lire un. Parce que j'en avais eu un dans la box qui était... j'avais le premier tome. Et j'ai commandé les deux tomes sur... je sais plus le nom du site. C'est pas grave, ça me reviendra. Et j'ai commandé les deux tomes. Et je suis occupée à lire le deuxième. Je vais essayer de m'y mettre pour avoir la suite, pour continuer les livres, parce que j'ai encore le mois passé que j'ai pas lu mes deux box. Du coup, je voudrais bien m'y mettre. Du coup, voilà. Ben, dites-moi en commentaire lequel que vous aurez envie de me piquer. Si vous voulez, je veux bien faire comme ceci, comme ça. Vous lirez la description, vous, en faisant pause. Voilà. Je vous montre le deuxième. J'ai écran mon PC. Hop. Comme ça, voilà. Dites-moi, comme ça, ça me ferait plaisir de savoir. Et je n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!